C'est Loupina pour l'épisode numéro 39 du 100 bébé challenge. On va commencer tout de suite, on ne perd pas de temps. La meuf qui s'est crue dans je sais pas quoi. Oh, vous êtes trop kiki. Alors, on m'a conseillé de faire un groupe en fait avec... Mais non, mais je veux pas Clémentine. Oh, je fais des bêtises. Un groupe avec les enfants pour en gros... Bah juste qu'ils fassent leurs devoirs ensemble quoi. Donc on va ajouter ta sœur, ça peut être pas mal. Et alors non, c'est pas ouvert à tous, c'est sur invitation, on va mettre... je sais pas. On va mettre ça. Je vais les appeler... Pénélope, voilà, je sais pas pourquoi. Voilà, ça ne sert à rien. Exigence, on s'en fout. Donc ce qu'il faut faire, c'est les devoirs. Si je trouve. Je ne sais plus du tout faire un groupe. Faire les devoirs. Voilà. Voilà, c'est passionnant comme groupe. Donc, vous allez commencer la réunion et vous allez faire vos devoirs ensemble. Et voilà! Hop, gain de temps. Alors, c'est vrai que Sepley est né. Il est où ce petit con? Il est déjà en train de brailler! Oh! Donc, tu vas le nourrir, s'il te plaît, Clem. On va aussi changer sa couche. Je voulais mettre ça. Voilà, c'est beau, ce mur. Et voilà! Donc, Clara, ma petite Clara, reprends ta peinture. Ah non, elle est en train de le faire, ok. Donc c'est bon. Qui sonne? Ah oui, je sais pas si vous avez vu, mais on peut changer la couleur de la coque. Ça ne sert absolument à rien. Quoi, c'est tout ce qu'il y a? Il y avait plus de couleurs normalement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, c'est parce que c'est caché par ma grosse tête. Ok, c'est génial. Je sais pas, on va essayer d'avoir le rouge, hein. Zut. Bon, au pire, c'est pas grave. Peut-être que je remonterai ma tête un peu pour les prochains épisodes, mais c'est pas évident avec Bandicam, puisque ça fait un peu ce que ça veut, en fait. On peut pas être très précis, parce que s'il y avait que moi, je la mettrais ici, entre les besoins et la barre là. Mais je ne peux pas avec ce logiciel, et j'ai pas envie de filmer avec OBS, parce que OBS, j'aime pas trop. Bon. C'est bon, il a fait son rototo. T'as fini tes devoirs, toi? Mais va faire tes devoirs, espèce de grosse morue. Oh! Non, mais la petite Elancia, c'est comme la vraie, hein, m'écoute pas. Oh! Donc, Clémentine est enceinte pour ceux qui viennent d'arriver. On en est à 19 bébés en tout. Clémentine, c'est la deuxième génération. Sa maman est juste là. Clara, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, je vous invite à aller regarder la playlist. Eh oui, c'est fait pour ça. Allez, fais d'autres toiles, là. Hop, hop, hop. Donc, on est méga riche, hein. On roule sur l'or, même quand on paye les factures, franchement, on s'en fout. Je pense que je vais jeter l'argent par les fenêtres, je sais toujours pas quoi en faire. Du coup, Clem, qu'est-ce que tu peux faire? Franchement, en plus, il y a sa mère qui fait tout, donc augmenter le charisme, ça va, jardinage. Ah oui, c'est vrai qu'elle devait programmer, elle. Eh ben, va programmer, écoute. Créer un virus. Et ensuite, tu vas peut-être pirater quelque chose. Il y a l'Otario là-dedans, je sais pas ce que c'était le mot exact, mais l'Otario comme Don, si on peut... Si on peut pirater Don, moi ça me va. Alors, elles en sont à quoi les petites? B! Toi, t'as B. Attends. Elancia a B. Kera a C. Ok. Donc, bah, du coup, c'est fini, ma chouchoute, pour toi. Pour toi, pardon. Ces devoirs sont finis. Donc, tu vas aller manger du poulet, parce que le poulet, c'est la vie.
Et ensuite, qu'est-ce que tu pourras faire? Tu pourras faire un pissou, une douche. Et ensuite, on verra pour que tu joues avec ta petite sœur. Enfin, ta grande sœur, plutôt. Fais du travail supplémentaire et Nantia, après... Ouh! Il y a eu un klaxon de camion, ça m'a fait peur. Super, ma vie. Tu vas manger. Ensuite, tu pourras aller faire pipi et ensuite tu t'occuperas avec Kera. Donc on vous trouvera un truc à faire toutes les deux pour augmenter le social, tout ça. Jacqueline, t'as fini toi? Non, elle a pas fini sa toile. Ah, elle devait avoir envie de faire pipi. Alors, ensuite tu feras à manger, ma petite Clara. Qu'est-ce que tu peux faire à manger? Pardon, excusez-moi. Ton cuit à la cocotte. Oh, j'ai trop faim. Faut que j'arrête de jouer aux Sims, à chaque fois ça me fout la dalle. Quoi, bip bip? Félicitations, ouais, c'est bien, ta gueule. Ah, mais c'est son père, je crois. Et j'ai une idée. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on mettrait pas Clara avec le papa de Clémentine pour qu'ils finissent ses jours ensemble, enfin leurs jours ensemble. Ce serait cool parce que là, elle finit ses jours toute seule et je trouve ça un peu triste. Voyons voir Clara. Clara a tellement de en coup de cœur, il te reste qui? Harmonie un petit peu. Putain, mais les autres. Oh Dominique, si tu n'étais pas mort. Bah écoutez, on va appeler Harmonie. On va faire ça quand elle aura fini de faire à manger. Bon, tu te dépêches. Bon bah ma petite, vu que t'as fini, t'as qu'à... Je sais pas moi, fais un dessin. Kilantia veut pas se dépêcher. Ok, donc ça c'est bon. Tira encadrer la toile, vendre une galerie d'art. Ah oui, mais non, parce que attends, si elle invite le mec. Non, mais viens pas en fait, parce que si on les met ensemble, je crois qu'on n'a plus le droit de. On n'a plus le droit de... Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus ce que je voulais dire. Enfin, on n'a pas le droit de ramener un mec et qu'il fasse quelque chose d'utile. Bon, après, c'est le père. Si je le fais pas travailler ni rien, peut-être que. Je sais pas. Bon, je vais pas y toucher. Écoute, c'est pas grave, Clara. Tu finiras ta vie seule. Toute seule. Oui, vends le chef-d'œuvre. En plus, il est moche. Oh, on va s'occuper du petit pignard, là, hein? Oh! Ancia, dépêche-toi, je voudrais que tu joues avec ta sœur. Oh là là, elle n'est pas rendue, hein. Quoi, bip-bip? Non, mais tais-toi. Ah, je crois que c'était son fils, en plus, je crois que c'était Léo, mais je suis pas sûre. Ah bah quand même, la v'là. Moi alors du coup, vous allez faire des blagues, enfin tu vas lui faire des blagues, tu vas être gentille. Tu vas lui dire qu'elle est jolie, ta petite sœur, parce que c'est vrai, je trouve qu'elle est très mignonne. Allez! Brrr! Plaisanter sur les crottes de nez. Ok, Lantia, vas-y, plaisante sur les crottes de nez. Se moquer des adultes parce qu'ils sont moches. Oh, mais elles sont trop choues toutes les deux! Putain, pardon, excusez-moi, c'est... Voilà, taisez-vous le téléphone, merci. Non, vraiment, tais-toi le téléphone. Non, je ne veux pas, je m'en fous, je m'en bats les noisettes. C'est bon, c'est bien sûr silencieux là, parce que franchement, le truc qui sonne toutes les 2 secondes. Alors, voilà donc. Elles sont mignonnes, elles sont gentilles. Est-ce que vous pouvez pas jouer toutes les deux, genre, je sais pas à quoi? Ah, bah jouer toutes les deux à la poupée!
Voilà, tout simplement. Alors, Clémentine. Ah, cool. On a de la thune, on a de la thune. Rends chat et nettoie la maison, ma cocotte. Puis comme ça a l'air d'aller, tu vas nous faire une toile. Non, elle est crevée, la pauvre, elle est crevée. Bah tu vas aller te coucher, ma vieille, hein. Hop. Faudrait que je rajoute un tapis parce que les murs sont assez bien décorés. Mais ça manque. Écoutez, on va rajouter un tapis, hein. C'est pas comme si ça prenait 15 ans, de toute façon. Je ne sais pas quoi mettre comme tapis. La 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 la. Bof, ça fait un peu gamin. Un comme ça, mais en bleu foncé, il n'y a pas. Sinon, c'est pas drôle. Bon, au pire. Ben voilà! Ça comble déjà un peu le vide, je trouve. Bon, bref. Donc c'est bon, elle fait à manger, c'est parfait. Enfin, elle fait à manger n'importe quoi. Elle débarrasse, c'est parfait. Clémentine, tu vas utiliser. Tu iras nous prendre un petit bain. Et ensuite, tu vas aller manger quelque chose. Enlever la nourriture gâtée, ça peut être une bonne idée. Et si tu cuisinais, tiens, parce que ton niveau de cuisine n'est pas top. Et quand ta mère sera plus là, bah faudra quand même que tu te débrouilles, ma petite Clem, hein. Alors, et du coup, les filles, elles font quoi? Mais vous jouez pas ensemble? Oh bah d'accord. Tu joues avec moi? Ouais, c'est ça. Mais non, on va jouer avec ta sœur. Allez, dépêche-toi. Voilà. Oh, elles sont vraiment trop belles toutes les deux. Je les kiffe. Dites-moi dans les commentaires si vous les aimez bien. Laquelle vous préférez? Entre Elantia et Keraline? Bon, elle en est à combien, elle? Deuxième trimestre dans 15 heures. Ouais, bon, bah, clairement, le bébé arrivera dans l'épisode prochain ou l'épisode suivant, hein. Du coup, c'est bon. Vous avez bien joué, les filles. Il est peut-être temps d'aller dormir. Il est minuit. Allez, go. On va dodo. Allez, zou. Voilà, elles sont crevées, les pauvres petites. Ah, elles sont trop mignonnes. Elles sont trop kiki! Regardez-moi cette tronche! Bon, là, elle a l'air un peu stupide, mais. Allez, au dodo! Hop! Ah, bah tiens, elles ont la même combi. Trop mignon. J'avais pas fait gaffe. Allez, zou! Madame Clémentine, que tout est belle. Que tout est la plus belle. Faudrait que je fasse faire du sport, un peu. Enfin, ça va encore, hein. De toute façon, c'est pas trop grave, elle peut être ronde. Mais je sais pas si ça lui ira d'être ronde. Oui, parce qu'il y a des gens à qui ça ne va pas et il y a des gens à qui ça va. Enfin, je trouve après, c'est que mon avis. Putain, les boobs. Oh, elle est trop belle. Franchement, la génétique a bien bossé, hein. On va s'occuper du sale petit mouflet. Ah, c'est vrai qu'elle est goinfre. Elles sont quoi déjà, Kira et. Prodige artistique et génie, et toi, amatrice d'art et très sociale. Ok. Bon, ça va, hein, c'est pas les pires. Du coup, tu peux peut-être débarrasser ça, hein, quand même. Est-ce qu'on a engagé une bonne? Et on pourrait faire ça, hein, engager une bonne. Acheter un service. Ouais, carrément qu'on va faire ça. Alors, un domestique régulier. Attends, t'as vu tout le flou ce qu'on a là? On s'en fout, quoi. Faut bien que ça serve à quelque chose. On va aussi acheter jardinage. Et pourquoi pas la nounou? Comme ça, on s'occupe même plus du mouflet, quoi. C'est horrible. Service. Nounou, voilà, c'est parfait. Et maintenant, tu vas te coucher. Très heureuse. Oh, c'est bien, ma belle. C'est trop cool. Franchement, ils sont tous happy, ils sont riches. Enfin, que demander de plus? Oh, et l'autre qui chiale encore. La nounou arrive, de toute façon. Elle va s'occuper de ça.
Vas-y, rentre. Occupe-toi du mouflet, là, au lieu de faire chier la vieille. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait, attends? Qu'est-ce que tu fais, meuf? Qu'est-ce qu'elle fout? Ah, c'est un mec. Attends, attends. Mais attends, c'est un mec? Ah, mais l'horreur! Oh, bah attendez, ça va être un autre papa! Ah, il est trop moche, le pauvre! Il est pas fini, lui, hein. Non, mais oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de lampe dans ce. Mais on s'en fout! Bon, bref. Qui va se réveiller en premier? Bah, toi, du coup. Donc, tu vas faire pipi, tu vas prendre une petite douche. Et puis, bah, mamie farm, hein, tu vas recommencer ta peinture, j'ai envie de dire. Oh, puis non, on va dégager la nounou, en fait, parce que. Voilà, licencié. Parce que quand même, il y a la grand-mère, donc on prendra une nounou quand il n'y aura plus la grand-mère, hein, écoute. Ouh, t'as grave envie de manger, toi. Oups, je me suis trompée de bouton. Alors. Hop, prendre une portion. Et toi, ma petite. Oh oui, tu vas aussi prendre une portion. Voilà. C'est moi ou elle a l'air crevée, la pauvre? Elle a l'air bizarre. Non, bah, je sais pas. Tu veux bien dégager, s'il te plaît, monsieur? Voilà. Bercer, serrer dans les bras. Et puis, bah, tu vas faire une toile. Qu'est-ce que ça? Ok, super. Dans la poubelle. Voilà. Excusez-moi. Clémentine a fait un bon gros dodo. Hop, c'est mercredi, donc les petits ont école. Est-ce qu'on n'appellerait pas un autre monsieur pour bah, le draguer, hein, on va pas chômer, j'ai envie de dire. Il y a lui qu'on devait se farcir. C'est un chic. Et puis il nous restait. Ah, il nous reste tout ça encore. Oh! Oh là là, il nous reste tout ça à se faire là. Bon bah franchement, bah écoutez, on va commencer avec lui. Voilà. On va venir sur le terrain actuel. De toute façon, les petites seront à l'école. Mais je t'ai dit d'aller manger, Lancia, tu es fatigante! Elle est buggée cette Sims ou quoi? Ah! Prendre une portion. Il y a un truc qui fait broum broum là, qu'est-ce qu'il y a? Mais fous-moi la paix, Windows. Enfin, va te faire voir, quoi. Non, mais. Et toi aussi, je te dis d'aller manger. Ah, c'est bon, elle l'a fait. Oh, c'est jeune, ils écoutent rien. Ouais, bah, franchement, elle m'a dit, le temps que tu manges, c'est bon, quoi. Ça va être l'heure d'aller à l'école. Ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Hop! Bon, c'est pas grave, si vous pouviez vous manier le popo. Mais il dégage lui ou comment ça se passe? Non mais attends, 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 ça va pas du tout là. Casse-toi! Renvoyé! Mais il veut pas partir le mec. Casse-toi, genre vraiment casse-toi. Ce Sims part, ah bah pas trop tôt. Non mais l'autre. Il a cru qu'on était ses potes ou quoi? Est-ce qu'il arrive machin? Ah, il va arriver, c'est parfait. Alors, Wolfgang, il est où? Peut-être que tu as le temps de manger, Clémentine. Hein. Voilà, mange ça. Ah, le v'là. V'là le mal. Le mal. Alors, du coup. Ouais, donc tranquillou, chez toi, tu vas direct sur le PC, toi. Ok. Alors, on va être amical. On va complimenter sa tenue. Complimenter. Blablabla. On va être drôle aussi parce que Clémentine est drôle. Bonjour, je me trimballe à poil devant toi. Tout va bien. Faire une imitation.
complimenter l'apparence. Je sais pas du tout s'il va bien réagir. Hein. On verra. J'ai envie de dire. Demander s'il est célib, ça peut être une bonne idée. Allez, Clem. Oh la vache, 0-0-0, quoi. Non, Isora, on n'a pas envie. Bon, il a l'air assez réceptif, hein. Bon, au pire, on lui dit de dégager. Et puis, va faire des longueurs, tiens. Quand il aura fini. Bon, ça va, hein, ça monte vite. Voilà, fais des longueurs. Oh, c'est bientôt l'anniversaire de Seb. Ah bah, enfin, j'ai envie de dire. Toi, changer la couche sale. Nourri. Hop. Hop. Ah zut, j'ai encore oublié de faire travailler dur les petites. D'ailleurs, elles en sont où les petites? Ouais. Ouais. Oula, t'as faim, ma pauvre Clara. Bah, mange. Bon, sur ce, les gens, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Ma caméra a frisé, donc je sais pas si ça a frisé pour vous ou pas. Bref, je vous fais plein de bisous et salut!